Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour la guidance intemporelle et le message, les messages de ce mercredi 13 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. La pensée positive de ce 13 novembre est rendre service. Lorsqu'on aide quelqu'un, on se nourrit soi-même d'une force positive et l'on a envie de recommencer. Ça nous donne tellement une belle satisfaction, n'est-ce pas, lorsque on rend service. En tous les cas, moi, ça me donne de la joie, dans la mesure, évidemment, de nos possibilités, n'est-ce pas. Et aujourd'hui, j'ai pigé courage. Mon courage indique la voie à tous les êtres humains. Eh bien, grâce à cette carte, n'est-ce pas, c'est le courage légendaire du lion qui se dirige vers toi. Tu es empli d'une force indomptable. Tu te rends même compte à présent que ta posture se redresse d'elle-même. Eh bien, ce courage tout nouveau que tu as peut-être acquéri il n'y a pas tellement longtemps, te permet aisément d'emprunter les chemins qui te sont tout à fait personnels, quel que soit, n'est-ce pas, l'obstacle qui encombre ton chemin. Eh bien, grâce à cette belle énergie du courage, tu as maintenant la capacité de poursuivre paisiblement ton objectif personnel et ne te laisse pas troubler, n'est-ce pas? Pas même si tout un groupe de personnes ayant des opinions différentes des tiennes fait éruption dans ta vie. Ne dévie pas de ton chemin personnel. Sois courageuse, courageuse, fidèle, n'est-ce pas, à toi-même, plein d'énergie et d'assurance. Eh bien, cette fleur de vie construit tout autour de toi un immense champ de courage, de manière à ce que tu puisses exprimer ta vérité, suivre la mission de ta vie, tout en te portant comme un charme. La fleur du courage fait volatiliser tous tes doutes. Et c'est ainsi que tu te sens réconforté. C'est avec joie que tu suis l'appel de ton cœur. Il est important, n'est-ce pas, d'exprimer ces vérités, avoir le courage de dire les choses. Ce n'est pas parce que on dit les choses qu'on est méchant. Il y a une façon de dire les choses qui ne blesse pas, mais il est important avoir le courage de. Un courage identique à celui que David ressentait en lui lorsqu'il faisait face à Goliath. Parcours maintenant ton être tout entier. Et le défi, pardon pour aujourd'hui, puisque le courage est venu à toi, il est maintenant temps pour toi de t'interroger pour savoir
dans quel domaine tu as encore trop prisonnier de tes angoisses au lieu de t'emparer courageusement de la barre du navire de ta vie avec tes propres mains. Dans quel domaine es-tu encore prisonnier de tes angoisses, de tes peurs? Eh bien, la fleur de vie, cette fleur de vie de courage, elle t'aidera à développer le courage en toi et à te libérer de tes angoisses. Il suffit que tu te ramènes à toi et que tu te dis « Mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai des angoisses? Pourquoi je suis prisonnier de tout ça? Pourquoi ?» C'est réellement un travail sur toi que tu dois faire. Mais surtout, c'est aller voir dans quel domaine que tu es encore prisonnier. Est-ce que tu as un manque de confiance en toi? Est-ce que tu mets une carcasse? Est-ce que tu ne dis pas les choses? Donc tout ça, c'est vraiment un travail d'introspection, n'est-ce pas? Et avoir le courage de ses idées, avoir le courage de dire les choses, avoir le courage de faire les choses, c'est important pour toi. Vraiment, c'est reprendre les rênes de ta vie. Si maintenant tu les as laissé ces rênes à quelqu'un d'autre, je parle que ça peut être dans le domaine sentimental, n'est-ce pas? Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, amical, familial. Reprends les rênes et le courage de. Quel beau message, quelle belle guidance aujourd'hui, n'est-ce pas? Encore une fois, je termine avec message de ton âme. Et aujourd'hui, j'ai transmuté. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout, surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voyez, quelle belle synchronicité, n'est-ce pas ? Je pige la carte courage et là, la carte de ton âme s'est transmutée et le courage au quotidien de faire les choses, de transmuter ta peur. Eh bien voilà, je termine sur une belle note, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain avec un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.